Analyse réussie. Vous avez correctement extrait les données de l'esper contenues dans ce cristal. Elles me serviront à renforcer votre matériel d'invocation. Thank you.
C'est bien ça. On va pouvoir réparer la chaudière. Nos douches auront enfin de l'eau bien chaude. Bon, je crois bien qu'on a trouvé tous les doubles de Johnny. On retourne au gîte? Alors en fait, pas vraiment. Il en reste un. Il y en a encore un? Celui-là, il s'est mis en tête de décorer le gîte avec la couronne du légendaire roi Tomberi. Et il est parti le chasser seul dans le désert. Pourvu qu'il soit pas mort de soif quelque part. Dis, frangin, tu voudrais pas aller voir comment il va? D'accord. Merci, frangin. Sur ce, nous, on va rentrer pour réparer la chaudière. On compte sur vous pour retrouver Johnny. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, et toi? Bah, en fait, pour couronner les rénovations de notre beau gîte, je m'étais dit qu'une couronne de roi Tomberi ferait un très bel élément de décoration. Mais, faut aller par là. J'ai entendu dire que le roi Tomberi avait été aperçu dans le désert.
Mais tu comprends bien que je peux pas risquer de m'y enfoncer à pied comme ça. Dis, frangin, ça te tente pas une petite balade sur les dunes de sable chaud? Et si jamais tu tombes par hasard sur un roi Tombéry, tu crois que tu pourrais me ramener sa couronne? Je vais voir ce que je peux faire. Avant tout, on doit trouver un moyen d'aller dans le désert. Mais j'imagine que ce sera pas possible tout de suite. Génial! T'es vraiment le meilleur, frangin! Je compte sur vous deux pour me ramener cette couronne, alors. Je vous attendrai jour et nuit, s'il le faut. Mais essayez de revenir avant que je sois complètement desséché. Vous n'aurez qu'à voler la couronne du roi Tombéry directement sur sa tête. J'ai hâte de la voir entre les mains. Je vous attendrai jour et nuit, s'il le faut. Mais essayez de revenir avant que je sois complètement desséché. Ça a l'air d'être hors service. Il faut qu'on grimpe à pied? T'inquiète pas, c'est facile. Suffit de se concentrer sur le paysage. Y a rien à voir là-haut. Tout ce qu'il y a, c'est un réacteur Mako qui a explosé. Ah, c'est vrai. Tu dois connaître la région comme ta poche, non? Bon, traînons pas. Dis, Cloud, je pensais à un truc. Les matérias sont faites de Mako, t'es au courant? Ouais. Ce qui veut dire que s'il y a de la Mako dans ce réacteur, il y a des matérias! Allez, on les cœur et en avant! Yuffy, si tu veux que ça se passe bien entre nous, faut que t'arrêtes d'en faire qu'à ta tête. Hein? Tu veux que je te demande la permission pour tout ce que je fais? C'est ça. Ben voyons. Alors, est-ce que j'ai le droit de chanter? Hein? Est-ce que j'ai le droit de me gratter le dos? Est-ce que je peux me curer les oreilles? Oui. Est-ce que j'ai le droit de voyer? Alors, j'ai le droit ou pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me réponds pas? Ah, t'es sous l'autre! Non, t'as pas le droit! Quoi? C'est de l'oppression! De la tyrannie! Tifa, comment tu fais pour supporter un type aussi grincheux? Tu sais, il a plus de bons côtés, en fait.
49% de mauvais côté contre 51% de bon côté, c'est ça? Un petit peu plus quand même. 45% de mauvais et 55% de bon? À peu près. Tu parles pas toi. Aerys a l'air de peiner. Désolée, j'ai déjà plus de jambes. Faisons une pause. Non, mais oubliez pas que des matérias... les manteaux noirs vont nous échapper. Oh, j'ai une idée. Je vais partir devant. Je vous servirai d'éclaireuse. Vous me rejoindrez plus tard. Bon, à plus. Chou! À plus, mon cul, oui. Je ferais mieux de les suivre, on sait jamais. D'autant que Barrett a pas l'air dans son assiette. T'as raison. On vous attendra là-haut. Prends ton temps. Ok, merci.
On y va, rentre.
continuons. C'est la montagne qui prête sa force. Ah bon? Ah d'accord. Salut! Merci pour le coup de main! Red, lui raconte pas n'importe quoi. C'est un phénomène qui touche parfois les débutants. Je la porterai si elle s'effondre. Coucou! Je suis pas dégoûtant.
nos jours, il n'y a plus de respect, même entre randonneurs. Le minimum, c'est quand même de se saluer. Enfin des gens qui connaissent les bonnes manières, je commençais à perdre espoir. Désolé, c'est qu'aujourd'hui j'ai croisé plus de marcheurs qu'à l'accoutumée, mais aucun n'a daigné me saluer. J'ai vu passer des hommes en manteau noir qui avaient pas l'air en forme, je leur ai demandé si ça allait, et bah ils m'ont ignoré. Franchement, ils jouent les randonneurs, mais ils ont aucune éducation.
aucune pitié à toi.
Turk. Tiens, tiens, comme on se retrouve. Vous nous avez suivis, c'est ça? Hein? T'es parano, toi? Ces types s'étaient complètement paumés à Junon. On était en train de les transporter. Ils se sont agités tout à coup. Alors on a préféré les déposer. J'ai aucune idée de ce qui a bien pu les exciter à ce point-là. Peu importe. C'est pas à moi d'élucider ce genre de mystère. Alors, vous repartez? Mon partenaire et moi-même. Ouais. Gaffe.
encore après nous. Et tu peux être sûr qu'ils reviendront. Ouais. Dépêchons. Les autres doivent nous attendre. Et maintenant, parlons un peu du projet Mega Materia. Des pics d'énergie anormaux sont survenus simultanément dans différents réacteurs MACO à travers le monde. Après une analyse minutieuse de diverses données, nous avons conclu que la présence d'une forme de vie gigantesque devait être la cause de ce phénomène inhabituel. Oh ! Une arme en chair et en os. C'est bien sous ce nom qu'elle figure dans de vieilles archives. Il est dit que ces créatures apparaissent lorsque la planète est en danger. Le corps de chacune d'elles renferme une énorme materia. D'ailleurs, il semblerait même qu'elles soient formées à partir de ces materia. Depuis que j'ai appris leur existence, je n'ai eu de cesse de les chercher ardemment, car je le sens, elles recèlent en elles le mystère de la vie. Oh ! Je veux pouvoir les toucher, afin de décortiquer leur anatomie dans les moindres détails. Je veux les dévorer de mes propres yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Et grâce à ce projet, ton rêve va se réaliser. Car l'objectif premier est de nous emparer de ces matérias. C'est complètement absurde. Nous développons une technique de synthèse des méga-matérias. Et elle sera très prochainement finalisée. Il va de soi que j'en suis conscient. Cependant, l'un n'empêche pas l'autre. Je souhaite également en obtenir des naturels. Comme ça, on pourra s'en servir pour décorer le hall. Gah ! Personnellement, je me moque de ces matérias, mais je veux le corps des armes pour mes expériences. Alors, Président, et si vous nous disiez la vérité? Le Wutai les convoite secrètement. Mais il fallait le préciser dès le début, enfin. Heidegger, il me faut des troupes. Notre élite est à votre disposition. Monsieur le Président. Qui est-il? Il y a une question à laquelle votre père n'a jamais répondu. Puis-je me permettre de vous la poser? Nous avons détruit des réacteurs MACO en accusant Avalanche, ainsi que tout le secteur 7 et son bidonville. À en croire votre père, cela faisait partie intégrante du projet Néo-Midgar. Cependant, nous n'avons pas encore découvert la légendaire Terre Promise, qui est pourtant essentielle à ce projet. Nous ignorons même... Mon père commençait à vieillir. Il devenait impatient. Il avait perdu son sang-froid. Je ne vois pas d'autre raison. Et justement, puisque nous parlons de ça, il y a une question que je voulais vous poser à tous. Pourquoi personne n'a tenté de faire entendre raison à mon père? Avec moi, la Shinra devra s'améliorer. Nous deviendrons plus grands, étendus, rapides, puissants, fiables. Pendant de longues années, vous avez tous assisté mon père. Donc j'attends énormément de vous. Démontrez-moi que je peux compter sur votre loyauté et votre raison, encore plus que lui. Oui ? Ouvre, s'il te plaît.